Je voudrais d'abord et avant tout remercier le Tout-Puissant pour avoir sauvé notre pays et l'implorer pour nous aider à réconcilier les Tchadiens et nous guider vers un futur commun meilleur. Je tiens également à vous exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour votre présence à cette rencontre de grande importance. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole devant cette auguste assemblée d'hommes et de femmes qui incarnent les grandes institutions de la République que vous êtes pour discuter d'un rendez-vous historique du peuple tchadien avec l'histoire, en l'occurrence le lancement imminent du dialogue national inclusif. Je sais que pour les uns, vous avez dû réaménager votre agenda, pour les autres, sacrifier un précieux laps de temps de vos vacances parlementaires pour honorer notre invitation et prendre part à ces moments d'échange fraternel. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez certainement, après plusieurs reports, les forces vives de la nation vont se retrouver à partir du 20 août 2022 pour entamer les assises du dialogue national inclusif. Le compte à rebours a donc commencé et le contenu est à pied d'œuvre pour fixer les derniers réglages en vue de tenir la date du 20 août 2022 pour le début effectif des travaux du dialogue national inclusif. Toutes les filles et tous les fils du Tchad ont à divers degrés un rôle important à jouer dans cette phase éminemment cruciale de la vie de notre nation. Chacun doit, à juste titre, jouer pleinement sa partition pour que l'histoire retienne notre contribution individuelle et collective à l'œuvre de construction d'un Tchad de dialogue, de paix et de stabilité. En allant au dialogue, il ne s'agit ni plus ni moins de poser les jalons d'un Tchad nouveau, un Tchad résolument tourné vers le progrès, la modernité et le développement. Mais ces challenges, certes de grande envergure, sont à notre portée. C'est pourquoi il faut que chaque Tchadienne et chaque Tchadien prenne la pleine mesure de cette opportunité de nouveau départ pour notre pays et soit résolu à gagner le pari. C'est à une conscience citoyenne, un engagement patriotique, une mentalité débarrassée de toutes les pratiques qui nous ont causé tant de préjudices que nous sommes unanimement conviés. Il est certain que sans la paix, la sécurité, la stabilité et la cohésion fraternelle, nous ne pourrons rien bâtir de durable. À cet égard, nous sommes tous condamnés à une véritable réconciliation de cœur et d'esprit et à une volonté manifeste de vivre ensemble, forgés dans le roc de notre histoire commune et de notre destin partagé. Oui, je crois très fermement que tel est le prix à payer pour que le pays sorte définitivement du cycle de violence, d'ignorance, de haine, de rébellions armées, de conflits communautaires, bref, de tous ces manquements et faiblesses conjugués qui ont pendant longtemps compromis le progrès et freiné le développement du pays de Toumaï. Mesdames et Messieurs,
En allant demain au dialogue national inclusif, nous nous fixons un cap et un objectif ultime. Tout doit être déployé pour que ce challenge soit gagné. Ce pari, nous pouvons le gagner car nous avons tous les atouts et tous les potentiels. Notre intelligence, notre génie créateur et notre soif de renouveau national sont autant de clés de succès. Dans ce vaste chantier qui attend les filles et les fils de ce pays, la participation effective, active et dynamique de chacun de vous relève d'une obligation à la fois morale et patriotique. Vous devez vous mettre en ligne de bataille dans ce combat collectif qui nous attend. Comme je l'ai dit en d'autres circonstances, il ne s'agit pas d'un combat d'un camp contre un autre. C'est plutôt le combat du Tchad pour le Tchad, où seul l'intérêt supérieur du Tchad doit prévaloir et avoir droit d'être cité. Je voudrais à ce sujet interpeller la conscience de chacune et chacun sur le sens des responsabilités et des sagesses qui doivent nous animer. Nos différences en termes d'appartenance politique, confessionnelle ou communautaire doivent plutôt être une source de richesse pour la nation, une nation plurielle. Pour parler de la richesse que constitue la diversité, je voudrais citer la sagesse du penseur malien Amadou Ampateba qui disait, je cite, « La beauté du tapis vient de la variété de ses couleurs », fin de citation. Dans la même veine, nos opinions, nos conceptions et nos sensibilités diverses sont pour nous une mine d'or. Elles sont un élément indispensable pour enrichir le débat démocratique que nous appelons tous de nos voeux. C'est d'ailleurs à juste raison que le dialogue national inclusif revêt une forme inclusive et souveraine pour permettre aux représentants de toutes les sensibilités de la nation d'y prendre part, de s'exprimer librement, d'adopter des résolutions et recommandations sans aucune contrainte. Je tiens à rappeler que rien au plan juridique ne m'obligeait à organiser ces dialogues, mais j'ai décidé en mon âme et conscience que c'était la voie idéale pour rechercher la paix sociale, l'harmonie nationale pour bâtir un Tchad nouveau, réconcilié avec lui-même. C'est pourquoi je tiens à réitérer ici, devant vous, le caractère inclusif et souverain de ces assises, mais aussi le caractère exécutoire des conclusions qui en découleront. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas davantage m'appesantir sur la question, car je suis persuadé que nous avons tous pris la mesure du chantier historique qui nous attend. Nous avons tous pris la pleine mesure de notre responsabilité et de notre investissement dans la perspective du dialogue national inclusif et de son but ultime, à savoir la renaissance de notre pays. J'ai saisi cette opportunité pour rendre un hommage appuyé et mérité à vous tous, mesdames, messieurs, pour vos apports à tous les niveaux, au sein des organes de la transition et institutions de la République qui ont permis de conduire jusqu'ici une transition apaisée, consensuelle et exemplaire. Je note enfin avec une grande satisfaction que le Conseil national de transition accomplit avec dévouement sa mission d'assurer les pouvoirs législatifs et contrôler l'action gouvernementale.
Cet excellent travail est réalisé en dépit de la diversité culturelle, politique et professionnelle qui caractérise les conseillers nationaux. Mesdames, Messieurs, pour conclure, je formule le vœu ardent que les prochains retrouvailles du dialogue national inclusif soient des moments de communion nationale et fraternelle au service du pays et de la nation. C'est pourquoi je vous invite tous, organes de la transition et institutions de la République, à participer pleinement pour bien assurer les missions régaliennes qui sont les vôtres dans cette phase de haute sensibilité et de grande importance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie. Peut-être qu'il y a des gens, comme d'habitude, ils ont des contributions. C'est un rendez-vous important pour notre pays, nous ne le répéterons jamais assez, parce que les institutionnels ont un défi, c'est celui de participer au dialogue national inclusif en toute responsabilité, comme vous l'avez souligné, mais aussi d'assurer en même temps qu'ils seront sollicités au dialogue la continuité des services publics. C'est un défi que les institutionnels ont. Il est vrai que le dialogue national est une occasion que vous avez offerte au peuple tchadien pour refonder un nouveau contrat social qui jette de nouvelles bases pour notre vie future. Mais nous n'avons pas de doute, Monsieur le Président, qu'à cette occasion, d'aucuns trouveraient en le dialogue national inclusif un tribunal pour le jugement de la transition et de ses institutions. Et le défi qui nous interpelle, nous, acteurs de cette transition, c'est de nous dire d'abord que, un, nous avons en partage le bilan de cette transition qui sera naturellement questionné par une partie des participants au dialogue et donc nécessité d'une solidarité forte des responsables ici réunis autour de la transition afin que ni les égos, ni les égoïsmes, ni les rivalités primaires, comme vous l'avez si bien souligné, Monsieur le Président, ne viennent parasiter l'élan de solidarité nécessaire à tous les institutionnels autour de la transition et autour de notre pays. C'est le seul message que je voulais ajouter en complément de votre belle déclaration. Je vous remercie. Cette transition est un modèle par rapport aux autres. Je le répète encore. C'est par votre volonté, ça n'a pas été imposé par quelqu'un d'autre. Et donc, si vous l'avez imposé, c'est pour un seul objectif, la paix au Tchad et l'unité nationale des filles et des fils de ce pays. Et donc, la seule chose que nous puissions retenir, c'est que nous avons un bilan à défendre pendant cette période de transition, mais pour nous autres qui avons géré depuis un certain temps, nous avons également un bilan à défendre depuis les 30 dernières années. Quelles que soient les conditions, le problème ne sera pas éludé tout simplement parce que les gens vont poser des questions. Mais nous serons là pour répondre à toutes ces questions-là. La seule chose que je puis souhaiter, et comme vous l'avez dit dans votre discours, c'est qu'à la fin de ce dialogue national inclusif, que tous les enfants du Tchad puissent se retrouver dans un pays qui est apaisé, un pays qui est sécurisé, et un pays qui est tourné vers le développement socio-économique. Et donc, pour nous autres qui sommes les membres du Conseil national de transition,
Nous souhaitons tout simplement que le dialogue ne puisse pas durer trop longtemps, comme on l'a attendu depuis 4 mois pour les politico-militaires. Nous souhaitons tout simplement que, si le dialogue ne dure pas assez longtemps, que les autorités de la transition et tous les Tchadiens puissent se remettre au travail pour que le Tchad puisse sortir de son sous-développement. Et je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président, vous êtes jeune, un jeune sage, plus sage qu'un vieux sage. Le jalon que vous posez chaque jour, ce n'est pas de jalon démagogique, mais c'est le jalon de responsabilité. N'eût été votre engagement de transition et n'eût été votre volonté manifeste. Si vous n'aimerez pas ce pays, vous n'allez pas prétendre faire des séries de rencontres intérieures et extérieures pour que votre souci majeur est que le Tchadien se réconcilie et doit vivre dans l'ensemble de son pays, le Tchad, qui est de 1 284 000 km². Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, si nous avons ajouté, en ma qualité de président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, nous sommes un laboratoire et nous avons pris le devant également de faire preuve dans nos thématiques, dans nos sessions. On a traité de pareils thèmes, la paix, la cohabitation pacifique, le vivre en tchadien. Tout ceci, ça fait partie de notre responsabilité. Que le bon Dieu vous bénisse. Vous avez une foi, un jeune ayant une foi. Dans toutes vos phrases, vous utilisez un mot de Dieu. Que Dieu veut, que Dieu voudra, que Dieu nous aide, que Dieu nous accompagne. C'est rare de jeunes comme vous ont cette audace de le dire. La CNDH est en fait un des acteurs centraux qui doit être parmi les participants à ce dialogue national inclusif qui est en soi une étape importante parce que ça nous permettra, comme l'a dit le président tout à l'heure, de nous réconcilier d'abord, de poser, de discuter de tous les problèmes sans tabou. Nous espérons, parce que nous avons déjà connu la conférence nationale souveraine, et si nous recommençons encore avec un autre dialogue souverain, ça veut dire que nous n'avons pas réussi avant. Maintenant, il faudrait que tout le monde veille, surtout les autorités, veillent à ce que cette fois-ci, les résolutions seront plus durables, les résolutions seront exécutoires, comme l'a dit Monsieur le Président. Et donc, nos souhaits à la Commission nationale des droits de l'homme, c'est de faire participer le plus de Tchadiens de différentes couches, de manière la plus inclusive possible. J'insiste sur ça. Il ne sert à rien de laisser, par exemple, des camarades mécontents en dehors du processus. Tout le monde doit regagner le bercail. C'est pourquoi la CNDH exhorte les autorités ici à faire toutes les diligences pour que les assises de Doha puissent accoucher d'une résolution qui doit faire participer tout le monde. Merci à vous tous. Notre pays vient de très loin. Et c'est justement par rapport à cela que nous avons décidé en notre âme et conscience de faire de cette transition une réussite. Pendant 15 mois, tous ensemble, nous avons travaillé nuit et jour pour réussir ce pari. Ce n'était pas facile. Mais grâce à Dieu, on a réussi à stabiliser le pays, sécuriser le pays et ramener la paix. Sans cela,
Je crois que nous ne serons pas aujourd'hui ici, ensemble, discuter de l'avenir de notre pays. Quand on a décidé de faire le dialogue national inclusif et souverain, ce n'est pas des mots, mais ça vient du fond du cœur. Et donc, je voudrais encore rappeler à mes frères, qu'ils soient des hommes politiques, de la société civile et politico-militaire, de saisir cette occasion si réellement ils ont des contributions pour le Tchad et les Tchadiens. Notre porte est toujours ouverte. Nous n'avons jamais exclu quelqu'un. Nous avons tout essayé pour que ce dialogue soit un dialogue inclusif et souverain. Et c'est ça qui nous a poussé, avec le Premier ministre chef du gouvernement, de reporter à plusieurs reprises le dialogue national. Mais à un moment, nous avons nous aussi nos contraintes de temps. Parce que les Tchadiens nous attendent. On ne va pas s'éterniser et attendre les gens. On ne va pas s'éterniser sur cette question. Donc si réellement nos frères politico-militaires, ils veulent participer, nous sommes ouverts. Nous leur garantissons la sécurité. Et nous leur garantissons aussi la participation. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux que cela. Et donc, la porte est ouverte. Ils peuvent venir à tout moment. Et nous serons là à les accueillir. Mais je voudrais aussi dire qu'il ne faut pas que les gens voient toujours un avenir sombre. L'avenir dépend de Dieu. L'avenir ne dépend pas des hommes. Quand on part au dialogue, il faut partir serein. Il faut partir en ayant dans l'idée que ce dialogue va résoudre tous les problèmes du Tchad. Nous, au Conseil militaire de transition, avec le gouvernement, notre objectif est celui de réunir les Tchadiens sans exclusion pour qu'ils discutent ensemble de tous les maux qui minent notre pays sans tabou et de manière souveraine. Et ça, c'est très clair. On va le répéter 1000 fois s'il le faut. Et l'histoire nous jugera, Inch'Allah. Je voudrais, pour conclure, pour terminer, en ce qui concerne les inondations, je voudrais dire à mes chers compatriotes que cette année, le Tout-Puissant nous a bénis. Nous a bénis et donc je crois nous devons prier encore pour plus de bénédictions. Je comprends le sentiment des Tchadiens quant aux inondations dans nos villes, mais il faut que mes compatriotes sachent que ce n'est pas un problème du Tchad seulement. C'est un phénomène mondial qui a pris de court le monde entier. Même les grandes villes sont aujourd'hui prises de court par ces inondations dues au changement climatique. Toutefois, le gouvernement est instruit
pour prendre en charge non seulement les sinistrés, mais aussi pour trouver des solutions à long terme. Voilà en quelques mots, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de grandes institutions de la République, ce dont je tenais à vous dire, et je voudrais vous remercier très sincèrement pour le travail abattu ensemble depuis ces 15 mois qui a permis de stabiliser notre pays. Et je voudrais vous encourager à continuer ainsi pour que notre pays retrouve la paix définitive. Je vous remercie.